Il y a aussi des pommiers, oui, noyés. Et voilà le vin. Enfin, je suppose que les tonneaux sont vides. Et à l'intérieur, et les caves. Géranium Robert, le voilà. À utiliser en petite quantité parce que ça a un fort goût de géranium, quoi. La carotte sauvage. Le pissenlit ici, il est magnifique. C'est, ça serait mieux avec une petite théière. C'est pas grave. Et comme ça, on peut aller voir à l'extérieur. Ah, il y a tellement d'eau qui est ici, ça vaut la peine d'en prendre un peu. Quelques feuilles seulement, c'est très fort. Il est très beau ce pissenlit ici. Il y a des feuilles de carottes sauvages. Et ici, c'est le plantain lancéolé, non? Oui, plantain lancéolé. Plantain. Carotte encore. Ça, c'est carotte. Non, ça, là, ici. Ici. Ah ça, oui. Ça, c'est les feuilles de carotte. Ah oui, oui. On en a vu des plus grands d'ailleurs. Oui, on avait trouvé plus gros là-bas. Ah là, il y a même de là qu'il est mille feuilles. Ah, il essaie bien pour le plantain aussi. Même les petits chardons, là. Ça, c'est chardon, hein. Des petits chardons, oui. Ça, c'est chardon, oui. Ça, on peut le prendre. Il est beau. Le champ d'ortie. Alors, on conseille en général de prendre uniquement les têtes. Les têtes. Hein. Mais j'avoue que moi, je prends tout pour les jus.
si c'est pour manger, pour faire une soupe, peut-être les têtes. Que les pousses. Mais là, pour les jus, je pense aussi. Parce que les feuilles ont un goût très fort. Quelquefois, qui peuvent même avoir un goût de poisson. Oui, joli cet atelier. Voilà le plantain, je ne sais plus comment on l'appelle, major. Voilà, oui, tu peux le prendre. Il est joli ce plantain. Oui, oui, très beau. Quelle carotte! Superbe! C'est beau, hein? La haie de mélisse, wow. Quelle merveille! Un peu de sauge aussi. Oh, le soleil, de sentir la chaleur sur le dos. Cueillette de la mélisse. C'est une forêt de mélisse. Ah oui! On en peut étaler tout ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais si tu veux filmer. Un peu de fenouil. Ouais. Ah oui, il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce chêne! Oh! Quel âge peut-il avoir ce chêne? 500 ans? Oui, parce que c'était à l'époque où les gens coupaient le bois en hauteur. Oui. Oh, c'est beau, le ciel tout bleu maintenant. Voilà, une deuxième récolte. De plantes encore. Ah, la deuxième récolte. Ça fait joli. Attends, je laisse. Je range. Un petit carré d'aromatique.
Chose que j'insiste beaucoup avec les gens, parce que les gens ont du mal à porter leurs chaussures, marcher pieds, même en été. Le matin tôt, on commence la journée comme ça, à 6 heures. Et je sors avec le bol tibétain chantant pour réveiller tout le monde. Je sonne le gong devant chaque maison. Donc j'ai fait le tour. Je commence à l'intérieur de la maison. Passe ici, je vais jusqu'à la maison en bois et je fais ça pieds nus. Ah, oui, et il pleuvait l'année dernière, mais dès qu'on reste par terre, il y a une chaleur qui vient du sol, très agréable. Donc après, on se sent complètement plein d'énergie. Énergétisé. Alors j'insiste sur tout le monde, l'importance de rester là, quand on peut de rester s'asseoir par terre. De manger là, assis par terre, de passer un moment là, assis par terre, de s'allonger, prendre le soleil. On sent vraiment l'énergie de la terre qui nous nourrit, comme on a entendu. Non, c'est super de rester dans la nature. Je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de nature. C'est là où je me remplis d'énergie. Récolte et puis ensuite lavage. Ça se fait.
fait des plats qui... Est-ce que tu enlèves les graines au milieu? Non. Non, tu restes où? Il y a un peu, tu sais qu'il y a un peu d'arsenic dans les graines. Ouais, et ouais. Ça fait exploser les cellules cancéreuses. C'est très bon. Parce qu'il y a des gens qui disent... Il y a des choses que j'ai entendu des contradictions et que je voulais bien savoir. Par exemple, mon médecin anthroposophe, quand j'avais le cancer, là, il y a une dizaine d'années, me disait de manger les pommes avec les pépins. Merci de nous lever, que nous avons offert le soleil qui était caressé par le vent, bien irrigué par la pluie et qui a été cherché loin dans la terre et nous amener tout ce dont on a besoin. Donc on se met 50 mètres. Oh, il doit y avoir plein de murs ici. Ah oui, on a préservé sa souche. C'était le plus haut. C'est une chaise longue là. Oui. On peut s'allonger. Ah.